Salut bro, aujourd'hui on se retrouve donc sur Tenkaichi 3, une version modée bien entendu. Donc aujourd'hui on va tester Android 21, alors oui, pour vous dire tout de suite, je suis sur encore une énième version ISO de Tenkaichi 3 modée. Il y en a énormément. Je retrouverai bien entendu le lien de téléchargement dans la description que je vous montrerai bien entendu. Mais voilà, franchement, les Espagnols ils te font 10 000 hacks par jour, hein, voilà. Et autant vous dire que franchement c'est le bordel pour trouver un ISO. Et un ISO bien précis avec des personnes bien précises. Donc aujourd'hui on va tester Android 21. Alors, pour vous dire également, il y a les trois transformations. Je ferai trois vidéos, hein, simplement, concernant les transformations parce qu'elles ont toutes une particularité. Hein, voilà. Chacun leurs attaques, chacun leur moveset, chacun leur skin. Bref, voilà. Donc on va tout de suite aller sur un terrain. Alors, oui, ils ont également des terrains modés. Ça, c'est des fous. Je suis tombé sur beaucoup de hacks, comment dire ça, bah, espagnol auquel il y a fait franchement pas un réel travail. Moi, je dis honnêtement, il y avait des hacks, c'était franchement n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Des Goku SSJ 5000 légendaires, j'en suis tombé sur tout plein. Et franchement, ouais, hein, ouais. Alors, on va déjà remarquer un petit truc. Alors, oui, sur ce hack, vous voyez que quand même le HUD, donc les barres de vie et tout, ont totalement été modifiées et tout, c'est quand même vraiment sympa. Et que bon. Également, c'est vrai que j'ai pas un énorme souvenir que C21 se battait avec un bâton, mais bon, soit. Mais à part ça, franchement, le personnage est vraiment très très sympa, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, si j'arrivais déjà à bien le jouer, ce serait déjà un bon début, voilà. Xenogoku, alors oui, c'est pas Goku normal, c'est Xenogoku, attention. je vais essayer de bien le jouer, écoutez. Hop, première attaque de Ki, voilà. Alors, on va faire la seconde attaque de Ki, alors oui. Ils ont bien respecté le protocole de l'Android, hein, c'est-à-dire simplement tu peux pas recharger ton ki tout simplement. Tu dois vraiment attendre que ça se recharge tout seul, alors hop, voilà. On appelle ça l'attaque de Janemba, dans un autre registre. Mais sinon ça va, le skin j'aime bien honnêtement. C'est vrai qu'ils auraient pu faire pour un mieux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu ajouter de mieux hein, pour le skin et tout. Pour le moveset, bon, elle se bat pas avec un bâton les gars. Voilà. C'est tout. Elle se bat pas avec un bâton, c'est tout. Tu ne fais pas ça, voilà. Au moins pour le respect du personnage. Donc voilà, franchement, elle se serait juste battue avec ses poings, simplement, tu vois, il n'y aurait pas de souci, mais bon. Bref. Mais vous verrez que sur les deux autres vidéos, donc quand on testera la Majin et la Majin transformée, donc celle absorbée, vous verrez que franchement, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et tout. Donc moi, c'est vraiment un hack que je vous conseille. Hein. Voilà, vous le téléchargez et tout. Vous n'avez pas besoin d'installation. Vous l'installez comme un jeu classique qui va se transformer en quoi lui? Ah ouais, en blue, d'accord. Attends, j'aurais dû m'en douter. Alors, libération d'énergie, ça te met en ki max. Hop. On va faire l'attaque ultime. Hop. Hop. Et il me fait une attaque. il me fait une attaque en même temps, d'accord. Alors, pff, on me fait rigoler cette attaque. Alors, l'énergie à la fin est bien sympa, hein, c'est pas ça. Mais bon, je veux dire, elle a pas d'épée, quoi. Voilà. ça fait un peu bizarre. Donc, voilà, bref. Alors, yep. Je pense qu'on va juste le tuer, et puis voilà. Alors vous remarquez également que le KO, ils l'ont carrément changé. Ça aussi c'est très sympa, ça aussi c'est très sympa. Bref, allez, je vais vous laisser donc sur un gameplay non commenté du personnage, et après je vous dirai mon avis en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. Bon, c'était pas prévu au programme. J'ai fait sans faire exprès appuyer sur le bouton.
Bref, bah voilà, écoutez, vous aurez donc un petit aperçu donc de ce personnage. Oui, je vais pas te remettre le combat hein, comme ça, faut pas y croire non plus. Vous aurez un petit aperçu du personnage rapidement. Alors, prochaine vidéo, putain, ça me fait chier de l'avoir fait transformer. Bon, bref. Au moins, j'aurais su que sur ça, que le personnage peut se transformer. Donc, bah écoutez, la prochaine vidéo, je ferai le test de Majin et tout. Donc, bah écoutez, sur ce, je vous fais des petits bisous à tout le monde. C'était Maipon et à bientôt tout le monde. Putain, ça m'emmerde. Non, ouais, sérieusement. On va refaire un combat, tout ce qui est plus classique. Voilà. Bref. Je faisais un petit prank avec vous, les gars. Bon, j'aurais pu recommencer cette vidéo, du coup. Vu que je l'ai transformé et tout, mais bon. Au moins, ça me confirme que je peux me transformer. Parce que, attention, hey, les gars. Il y a des hacks où tu peux pas transformer en bleu. Hein. Ah oui. Goku, il était modé et tout, mais il pouvait pas se transformer en bleu. Hein. C'était n'importe quoi. Bref, je vais sur ce dernier combat, plus sérieux, bien entendu. Bon voilà, clairement décédé le petit Goku, rip et son âme et tout. Bah écoutez, j'ai aimé. Voilà, j'ai franchement aimé. Bon, même s'il y a eu un petit fail là, au passage et tout de la vidéo, bref, c'est pas trop grave, hein. Bah voilà, franchement, très bon personnage, question skin et tout, c'est vraiment très très sympa. Moveset, j'ai bien aimé, j'ai bien retranscrit et tout, c'est sympa. Même si je vois pas pourquoi elle a une énergie rouge alors qu'elle est pas négative dans cette forme. C'est bizarre, mais ça va. Ça correspond au personnage à peu près de toute façon. Mais voilà, ça reste un bon personnage, donc n'hésitez pas à tester ce mode. Bien entendu, c'est vraiment très très sympa, c'est très très cool pour la diversité des personnages et surtout l'imagination des modeurs et tout. Voilà, d'aller sur ce, je vous fais des petits bisous tout le monde, c'était Maipon et à bientôt tout le monde pour une future vidéo sur Tenkaichi 3 modé. Des bisous à tous.